Alors on passe à Morgane Sanson. René, les jingles sont courts. On n'a pas le temps de débattre pendant les jingles. C'est le principe. 22 ans, 18 matchs. Une très belle satisfaction du mercato d'hiver. Il a joué 36% des rencontres. C'est la recrue qui a le plus joué depuis cet hiver, en tout cas. Il n'y a pas de classement, mais il a 5,7 de notes, ce qui le placerait 3e, voilà, dans le classement s'il en faisait partie. Un but et 7 passes sous le maillot de l'OM. Il est meilleur passeur du championnat parce qu'avec Montpellier, il en avait fait 5 de plus. Morgane Sanson est-il OM Champions Project? Évidemment. Alors je vous pose la même question qu'avec Lopez. Est-il titulaire dans cet OM Champions Project? Moi, je pense que dans le meilleur des scénarios, ce que j'ai dit déjà pour Lopez, on a 4 joueurs intéressants au milieu, donc on en a déjà 3 à mes yeux, c'est Vainqueur, Sanson et Lopez. On en aurait un 4e et que ça, la concurrence ferait rage entre tous ces éléments-là. Moi, j'aime beaucoup Morgane Sanson, mais son dernier match contre Bastia nous rappelle que, attention, il peut aussi, parce que de par son âge, il peut aussi passer au travers. Bordeaux, c'était le match le plus important de sa carrière. Et il a été un peu en dedans parce que justement, il ne faut pas oublier non plus. Des fois, le problème en fait de Sanson, c'est qu'il nous a trop bien habitués trop vite. Mais il a quand même une longueur d'avance sur Lopez, non, messieurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Meilleur passeur du championnat, tu vas me dire. Lopez, voilà. Il vient de démarrer. Sanson, ça fait 3, 4, 5 ans quand même qu'il joue. Il faut comparer ce qui est comparable. Titulaire ou pas, Sanson, messieurs? Sanson, pour moi, là, c'est la recrue type du mercato d'hiver qui a été recrutée pour ce championnat de project. Pour moi. Oui, on est d'accord, on est tous d'accord sur ça. Pas, je vois pas pourquoi. Mais est-il titulaire la saison prochaine ou il faut recruter au milieu? C'est la question. Alors, mais il faut recruter au milieu parce qu'il te faut pas 4 joueurs au milieu. Si tu pars sur le trident, il en faut 5, voire peut-être 6. C'est-à-dire qu'il te faut 2 vrais sentinelles. Voilà. C'est-à-dire que je vois pas Morgane Sanson remplacer Vainqueur en sentinelle. Tu gardes Vainqueur et un autre donc en c'est sentinelle. Moi, voilà, moi, il y a Certic aussi, oublie pas. Certic qui sera plus un complément. Complément des compléments. Complément des compléments. Mais en tout cas, ne nous égarons pas. On prendra, pour l'exemple que je citais tout à l'heure avec Maxime Lopez, un Moussa Sissoko qui viendrait dans cet effectif-là, il serait aussi en concurrence avec Morgane Sanson. Donc moi je pense que oui, Champions Project, mais avec de la concurrence. Très bien. Bernard, pour le mot de la fin. Oui. Même chose? Pas mieux. Pas mieux. Très bien, ben on passe tout de suite au cas suivant. Dossier suivant, messieurs, s'il vous plaît.